Place maintenant à l'invité d'honneur. On le voit pratiquement jamais à la télévision, on l'entend rarement sur les ondes, sur les radios françaises. Pourtant, c'est le musicien, le compositeur, le chef d'orchestre français le plus connu sans doute dans le monde. Une centaine de ses albums circulent à travers 50 pays et c'est un anniversaire puisqu'il y a pratiquement 30 ans, jour pour jour, il composait un premier album qui lui ouvrait la porte du monde entier. Je vous demande d'applaudir car on le voit jamais, monsieur Franck Pourcel. Franck Pourcel, un anniversaire, et pour célébrer cet anniversaire, un nouvel album, Nostalgie des années 50, il était aux États-Unis à l'époque, on y reviendra tout à l'heure, Nostalgia Mood, en voici un extrait avec 45 musiciens exceptionnels. Franck Pourcel et ses musiciens, je dis bien ses musiciens, ce sont des amis, des compagnons de longue date, vous avez enregistré des dizaines d'albums avec eux, ce sont des musiciens studio qu'on réunit rarement, car les grands orchestres, vous le disiez dans Télé 7 jours à Georges Hilleret cette semaine, c'est un peu fini. Oui, c'est un peu fini parce que de toute façon c'est trop cher, c'est pas rentable, surtout les orchestres de variété, les orchestres classiques évidemment sont subventionnés par les gouvernements. Tandis que la variété, malheureusement, on est un peu les parents pauvres. Et ce soir, je peux dire que ce sont des musiciens, des artistes musiciens, en plus de ça, des amis. Parce que pendant des années, je fais des disques avec eux, et ils m'ont permis de devenir, je ne dirais pas non pas ce que je suis, parce que ça serait prétentieux, mais ils m'ont permis de faire des disques que tous les téléspectateurs connaissent. On va y revenir à ce disque, Nostalgia Mood. On peut dire que ceux qui sont des spécialistes ont peut-être connu un air qui s'appelle Tweedle qui a été chanté par une grande chanteuse américaine des années 50, Mlle Baker. Oui, Mlle Baker, que je n'ai pas connu, mais enfin, dans ces années 50, les mélodies étaient quand même des mélodies qui ont, comment dirais-je, marqué l'époque, oui,
Ils sont arrivés jusqu'à nous, quand même. On va y revenir tout à l'heure, parce que vous avez un passé américain. On en parlait tout à l'heure hors antenne. Dans cette émission, il y a tous les genres. Je sais que vous êtes un fidèle de Champs-Élysées. Toutes les générations, toutes les couleurs, le théâtre, le cinéma.